Yo, salut mes petits mouguets, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 484 de Naruto Shippuden, donc qui va démarrer l'arc un petit peu hors série des romans. Enfin, hors série, c'est vrai qu'on peut, on peut un petit peu en discuter, surtout par rapport à un élément qui va être introduit dans cet épisode-là, en tout cas. Du coup, Naruto, voilà, enfin, qui revient après deux longues semaines d'absence, quand même, il faut le souligner. Et avec une toute nouvelle animation, donc on va finir un petit peu l'animation un peu space qu'on avait eu durant les quatre épisodes un petit peu spéciaux, donc on va centrer sur le passé de certains personnages. Là, on est de retour sur l'animation qu'on avait justement au moment du combat final entre Naruto et Sasuke, donc ouais, ça fait plaisir. Plus une amélioration qui a un petit peu évolué, je trouve. Enfin, vraiment, au début de l'épisode, j'ai eu cette impression-là par rapport à Naruto, surtout hein, les gros plans qu'il y avait sur lui et tout. C'était vraiment, vraiment de très très bonne qualité. Pareil pour tous ceux de Konoha. Donc voilà, il y avait Shikamaru, Choji, Ino. Après, il y avait même Sai aussi, même Kakashi, tout ça, ça allait. Par contre, en l'occurrence, voilà, pour les autres, voilà, on va dire les opposants, les zombies, on va les qualifier un petit peu comme ça. Même si c'était pas tout à fait le cas, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça, surtout avec la deuxième vague qui arrive juste après. Enfin voilà, ceux qui ont passé des heures et des heures sur le mode zombie de Black Ops, je pense que ça a dû vous parler. Et du coup, bah ouais, voilà, par contre, à ce niveau-là, l'animation était un petit peu plus dégueulasse, mais je pense que c'était voulu par rapport à la métamorphose, à transformation qu'on avait, voilà, quelque chose d'assez glauque, d'assez dégueulasse, et du coup, après, t'es suivi de l'explosion. Un épisode aussi, vraiment au niveau de la censure, là, franchement, j'étais choqué, parce que c'est vrai que ça fait assez hardcore, ça fait assez glauque, ça fait assez, vraiment, une époque un peu post-apocalyptique, j'ai envie de vous dire. Enfin, voilà, là, on pourrait totalement se retrouver dans The Walking Dead. Bon, voilà, je ne suis pas la série, mais voilà, je vois à peu près l'écho, et puis là, on commence à tourner un petit peu autour, de toute façon, surtout avec les zombies, de manière générale, ça se ressemble un petit peu. Il y a des points qui sont assez similaires entre différents médias, voilà, même par rapport à certains jeux vidéo par exemple aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait certains points qui étaient quand même assez hardcore, que ce soit par rapport à l'explosion, que ce soit par rapport au moment où t'as un arrêt qui se tranche et puis t'as le sang, t'as vraiment beaucoup beaucoup de sang, ce qui est assez surprenant aussi pour Naruto. Bon, voilà, il y a toujours eu un petit peu de sang de Naruto, c'est vrai que des fois c'était un petit peu amoindré par rapport à la censure, mais là franchement, ils se sont lâchés, mais complètement. Enfin, franchement, cet épisode-là, j'aurais pas mis entre les mains de tout le monde, surtout au moment où on a la scène de suicide, enfin, même si elle est plus tout à fait humaine, la nana à ce moment-là, c'est quand même assez haut. Enfin, voilà, vraiment, pas un épisode que j'aurais mis entre toutes les mains ce coup-ci, et ce qui est assez surprenant pour Naruto Shippuden, franchement, faut le souligner. Enfin, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé directement dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié, est-ce que ça vous a fait ni chaud ni froid, ou est-ce que vous trouvez que ça peut être quelque chose qui peut apporter un plus, voilà, qui peut être intéressant, ou est-ce que vous n'êtes pas fan du tout, et que voilà. Dites-moi directement votre ressenti par rapport à ça dans les commentaires. Alors, on va reprendre du coup tout ce qui s'est passé dans cet épisode-là, malgré tout beaucoup de choses. Hein, voilà, une première partie assez centrée à Konoha du coup, et qui nous permet de nous donner un petit peu le ton par rapport à la thématique qui va être abordée, et du coup, la suite directement. Donc voilà, avec ça, qui, même si on a une petite introduction au début, donc voilà, avec des petits messages. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, c'est pas votre ordi, votre téléphone ou quoi que ce soit avec lequel vous avez regardé l'épisode qui déconne par rapport au son. En fait, c'est tout simplement, on le voit d'ailleurs avec les katakana et puis du coup l'écriture qui est inscrite sur l'épisode. En fait, il n'y avait pas de son, tout simplement. On entend de toute façon la bande son de l'épisode, mais il n'y avait pas de paroles, de dialogue. C'était pas doubleur. Peut-être qu'il n'y avait pas de budget de doubleur, ou alors que c'était peut-être pour mettre dans une ambiance un peu plus pesante. Enfin, directement, on rentre dans cette ambiance assez glauque, assez noire, assez dark. Et le choix, justement, voilà, de ne pas mettre de dialogue était assez classe. Voilà, franchement, de laisser que les bruitages, c'était pas mal. Et du coup, on apprend qu'un ancien de Landmoon, qui est rentré des sources chaudes, qui devait rentrer à Konoha. Alors, malheureusement, on ne saura jamais pourquoi il devait rentrer aussi vite à Konoha. Ça se trouve, c'était juste pour la forme, vu que maintenant il était juste un marchand. Mais après, qu'il avait une autre mission un peu plus confidentielle, vu qu'on sait qu'il est un ancien membre de Landmoo, mais bon, quelque part, les membres de Landmoo, tu quittes vraiment jamais totalement Landmoo, enfin, tu regardes Danzo, enfin, même si lui, c'était plus la racine, mais bon, voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, que même un Landmoo à la retraite, il reçoit une information assez confidentielle, enfin, voilà, il apprend quelque chose, et va pas tordre par quatre chemins pour aller donner l'information, justement, aux forces spéciales, donc voilà, même si là, en l'occurrence, on n'a pas de confirmation et d'affirmation par rapport à ce cas-là. Quoi qu'il en soit, il tombe sur le dénommé, donc on l'apprendra un petit peu après, Fushin, donc Fushin qui a la capacité, donc, ouais, qui a un petit dojutsu, donc Kaikai Genkan, quelque part, tous les dojutsu sont des Kaikai Genkan, voilà, qui sont héréditaires de clan à clan, même si là, en l'occurrence, c'est un œil que celui semble posséder, donc très certainement aussi son père ou sa mère possédait avant lui. Et son œil, donc pour ceux qui ont pas mal regardé Naruto, donc les premiers épisodes de Naruto avant Naruto Shippuden, certains épisodes hors série, bon, c'est vrai que j'avais pas trop maté les hors série non plus quand j'étais gosse, hormis certains, et celui-là, c'est vrai qu'il m'avait marqué, où un personnage du nom de Ranmaru avait fait son apparition et possédait lui aussi un Kaikai Genkai, et du coup, d'un dojutsu, pas d'une nature de chakra avancé, voilà, vraiment d'un dojutsu, c'était justement un des rares qui était apparu en plus, et du coup, voilà, il n'était pas qu'à dans l'époque, c'était du hors-série. Et ce qui est assez surprenant, voilà, c'est que ce Kaikai Genkan, donc voilà, fait son retour ici. Alors, c'est pas tout à fait la même nature, même si, en l'occurrence, les deux touches au dojutsu, c'est un tumeur avec sa touche aux yeux, mais les deux sont capables aussi de produire des illusions, même si c'est de mémoire, Ranmaru n'avait pas la capacité, voilà, de créer un petit peu de modifier un petit peu les personnes qui touchent avec son dojutsu, et de les faire exploser par la suite. Donc, je pense juste que le studio, peut-être même quand ils ont écrit le roman, ils ont dû reprendre ce qui avait été abordé à l'époque, je pense, avec Ranmaru,
Ranmaru, mais d'en un peu plus le développer, puis voilà, faire un plus gros background autour de tout ça. Parce que c'est vrai que Ranmaru était un personnage secondaire quand il était apparu, voilà, dans l'arc Orcel dans lequel il était apparu, qu'il était juste l'assistant d'un autre peut-être antagoniste qui lui se dénommait Raga Kurosaki. Je vous jure que c'était son vrai nom de famille, le même nom de famille que Ichigo dans Bleach aussi. C'était assez marrant quand j'étais rechecké le wiki. Et Raga, donc, qui lui était un sabreur, un des pays de Kiri qui possédait donc, voilà, les Kiba, donc, voilà, les deux, les crocs tranchants, donc voilà, pas Kiba, bien entendu, ça veut dire croc pour ceux qui se posent un petit peu la question, pas le Kiba de Konoha, mais en l'occurrence ces épées qui portaient ce nom-là, d'ailleurs, qui ont été récupérées aussi dans un hors-série par Romoy, si je dis pas de bêtises. Après, il faudra voir si il les aura toujours dans le manga ou dans la suite, ça peut être intéressant s'y invoquer. Quoi qu'il en soit, donc il a quand même un Dojutsu assez balèze, bon, on en reviendra un petit peu aussi là-dessus à la fin de l'épisode, mais voilà, quand même un Dojutsu assez... vraiment du assez hardcore au niveau des illusions, à tel point que justement le moyen classique pour pouvoir rompre une illusion et un genjutsu, il faut que j'arrête de confondre genjutsu et puis genjutsu, même si les deux sont liés, que justement voilà, ce genjutsu là était pas, tu peux pas le rompre aussi simplement qu'un genjutsu classique, c'est-à-dire comme on a pu voir à plusieurs reprises, tape un petit peu de chakra insufflé dans le corps du dit possédé, voilà, celui qui est plongé dans l'illusion, pour justement remettre son flux de chakra à l'endroit, puis hop c'est reparti comme en 46. Là non, là ça marche pas comme ça, comme on l'a vu avec Sakura. Après il faut donc voilà quelque chose d'un peu plus particulier, même si on l'a vu avec Sasuke, il était capable, voilà, directement de, je crois, de remettre une illusion par-dessus la leur, mais comme on l'a vu à la fin de l'épisode, il a pas rompu directement l'illusion, bon, il les a mis un petit peu dans les vapes, un peu comme Hinata avec son Juken. D'ailleurs c'était assez intéressant de voir que les seuls qui ont réussi justement à contrer ces personnes possédées par un Keike Genkai et un Dojutsu a fortiori, sont ceux justement qui possèdent un Dojutsu à proprement parler, en l'occurrence ici Sasuke et puis Hinata, même si Hinata c'est plus avec justement son Juken couplé à son Byakugan qu'elle a pu justement réussir à les mettre en état de mur, mais voilà, c'était pas mal. Et du coup, alors, retour à Konoha, comme je vous disais, donc avec Kakashi, puis du coup, un petit bilan avec Sakura et puis Naruto. Donc, Naruto, comme d'hab, qui est le seul à pas être au courant, donc, voilà, de ce qui s'est passé par rapport à des explosions et des disparitions, justement, de personnes de Konoha, dont justement notre petit marchand qu'on avait vu au tout début de l'épisode. Et du coup, ils font un peu le point par rapport à la situation. Donc, Kakashi lui dit, ouais, je suis au courant et tout, faudra qu'on apprenne un petit peu plus. Et malheureusement, ils peuvent pas parler plus que ça, mais qu'ils sont interrompus par une explosion, comme on le verra. Donc, est-ce que c'est Deidara qui a fait son grand retour? Enfin, on s'est tous posé un petit peu la question au début. Et du coup, finalement, c'était pas le cas. On a vu, voilà, que c'était ces petits zombies, voilà, possédés justement par ce Keike Genkai, en l'occurrence par ce Dojutsu de Fuchin. Et du coup, bon, là, ils ont essayé un petit peu de les gérer comme ils le pouvaient. Donc, voilà, en l'occurrence, la première vague, il y avait justement le fameux marchand que justement Sakura connaissait et que surtout Ino connaissait, voilà, en tant que client. Donc, au début, elle a essayé de le gérer à peu près comme il fallait pour essayer justement de lui faire prendre conscience, de lui faire prendre raison. Et surtout, elle l'a reconnu directement, voilà, ce qui n'était pas si évident de premier abord. Et malheureusement pour lui, il a été le premier, voilà, à subir un petit peu ce qui s'est passé, vu que ceux qui gardaient la porte ont voulu un petit peu se défendre et lui ont balancé un coup d'œil, tac, il l'a arraché. Donc, voilà, passage assez hardcore avec la grosse giclée de sang qui s'est répandue un petit peu de partout. Et puis du coup après qui a provoqué justement l'explosion de son corps et qui du coup après a déclenché par rapport à ce qui était avec lui aussi des petites égratignures qui ont aussi déclenché, si on peut le qualifier comme ça, la combustion quelque part, la combustion qui a coagulé avec son sang. Enfin, là, c'est assez glauque, c'est assez macabre. Et du coup voilà ce qui a provoqué donc la deuxième grosse explosion. Donc ce coup-ci ils avaient passé la porte, mais heureusement Choji est passé un petit peu en mode papillon géant, donc pour pouvoir les bloquer. Bon, il avait juste tapé un petit paquet de chips, hein, il avait plus ses petites boules d'énergie pour pouvoir se rebooster. Enfin, ça serait bien justement que ça puisse être introduit par la suite, même si là en l'occurrence c'était pas hyper nécessaire, mais quand même Choji, vous l'avez vu, enfin on voit un petit peu qu'ils sont un peu embourgeoisés, nos petits shinobi. Enfin, je sais pas si vous avez eu ce même sentiment que moi, mais j'ai vraiment le sentiment là qu'ils ont plus du tout l'habitude de combattre et tout, parce que là, malgré tout on a quand même pas mal d'années après la fin justement de la 4ème grande guerre ninja, et que du coup on est censé vivre dans un monde de paix, même s'ils ont encore certaines missions. Alors je me demande ce que c'est, quoi, aller récupérer le chat du voisin et tout, des trucs comme ça, ou peut-être faire des échanges inter shinobi, ça aussi pourquoi pas, ça doit être intéressant. Mais là en l'occurrence, on voit qu'ils ont tous pris ils ont tous pris un petit peu de l'âge, que surtout, là, ils devraient être justement dans la fleur de l'âge, parce qu'ils sont encore, jeunes malgré tout. Et ils n'ont plus vraiment l'habitude du combat. Pour Choji, directement essoufflé après avoir fait un petit coup de papier. En plus, il n'a pas combattu, c'est pas donné à fond et tout. Bon, même si c'est vrai que cette technique-là consomme énormément de chakra, mais voilà, limite, pour vous dire, déjà, il n'a pas pris l'attaque de plein fouet, il ne l'a pas bloqué à main nue, il l'a juste, hop, il a grandi, voilà, directement, petit coup d'aile de papillon, tac, je les repousse, et puis basta. Enfin, voilà, et puis après, directement, le gars, il est retombé par terre, et puis il était tout essoufflé. Donc, bon, quand même, faut pas déconner, Choji, pour un 4ème grand ninja, nous avait habitués à mieux. Enfin, je sais pas, là, il aurait affronté Jirobo comme à l'époque de la fin de la première partie, mais là, il se faisait mettre en PLS en 2 secondes. Enfin, je sais pas, sauf s'il le one-shotait, mais là, dites-moi vraiment ce qu'on pensait dans les commentaires, parce que moi, ça m'a un petit peu mis mal à l'aise. Après, peut-être quoi, c'est pour souligner quelque chose qui pourrait être abordé un peu plus par la suite, je sais pas, enfin, c'était bizarre.
Et du coup, bah, après, ça s'enchaînait avec Naruto qui lui a essayé de lui finir donc, l'attaque repoussée après le grand cyclone des ailes, avec du coup Rasengan, donc, qui a permis la fin de l'explosion de la boule destructrice, justement. Et du coup, bah, Naruto, alors je sais pas si vous avez remarqué ce petit détail, donc, il voulait enchaîner avec un Rasengan, sauf que le Rasengan, on l'a pas vu le porter à bout portant, on l'a vu comme une sorte, je sais pas, il a fait une sorte de Rasengan Kamehameha, parce qu'on voit voilà, vraiment une sorte de rayon laser, je vous jure, ça dure une fraction de seconde. Mais enfin, voilà, c'était un petit peu bizarre. Et, donc, ouais, peut-être que Naruto a encore pu modifier la nature du Rasengan, et que, du coup, maintenant, il peut le projeter, il peut en faire une attaque longue distance. Alors qu'avant c'était d'un tel corps à corps, je sais pas, ça pourrait être cool, mais en tout cas c'était un petit détail qu'il fallait repérer. Du coup après finalement il y a la deuxième vague justement d'adversaires qui arrivent, donc voilà, bah, ils se demandent un petit peu comment ils vont faire. Donc c'est à ce moment-là qu'Hinata se pointe et qu'avec Ino et Sakura ils essaient un petit peu de prendre conscience de la situation, bah, justement de mettre un plan en place, parce que sinon ils vont juste les perdre et puis ils vont les tuer quelque part. Mais c'est pas ce qu'ils ont envie de faire, de provoquer leur mort. Et du coup bah finalement ils vont mettre un petit plan en place qui va plutôt bien se dérouler. Même si dans un premier temps Hinata nous dit, enfin voilà, elle sonde un petit peu avec son Byakugan, donc elle voit pas ce qui les possède à distance, parce que d'habitude quand t'as un genjutsu, quelqu'un qui te contrôle à distance, normalement t'as ton chakra qui est relié à lui, et puis voilà, t'es capable de le voir un petit peu comme avec Ankuro et puis ses fils de chakra avec les marionnettes. Mais là en l'occurrence bah y a personne, voilà, vu que le dénommé Fushin doit être vraiment à 10 000 lieues de ce qui se passe maintenant. C'est ça aussi qui est assez ouf avec sa technique. Et du coup, bah, Hinata, donc, on va voir un petit peu les flux de chakra qui perturbent un petit peu leur flux de chakra classique. Donc on va voir avec ce chakra rouge qui est un petit peu perturbé tout ça. Et du coup, bah, leur précise aussi que malheureusement, ils peuvent pas l'interrompre, ils peuvent pas justement supprimer juste ce chakra-là, voilà, un petit peu le rompre ou le disloquer, vu qu'il est directement lié, ancré justement au chakra. Leur chakra en fait classique, ouais, il s'est mêlé au chakra, on va dire, de base naturelle des différents adversaires, en l'occurrence ici. Et là, bah, ils ne peuvent tout simplement rien faire. Du coup, ils ne savent pas trop comment ils vont pouvoir gérer tout ça. Juste au moment, on a autant une petite idée. Et en fait, c'était l'idée de génie. Voilà, j'aurais fait sans réaction là, je pense que j'aurais eu à peu près la même réaction qu'eux. Parce que déjà, directement, bah, ils ont un atout négligeable, c'est Shikamaru avec sa manipulation des ondes, donc quoi, qui peut les bloquer, les immobiliser. Donc, ce qu'ils vont faire, même si Naruto au préalable va envoyer 2-3 petits clones, histoire de les dispatcher et de les disloquer, pour pas répéter ce qui s'était passé tout à l'heure, où justement les trois autres étaient proches du premier qui avait explosé, voilà, du marchand, et que du coup avait été affecté, tac, petite égratignure, et puis hop, l'explosion. Donc là, on les dispatche tous un petit peu à gauche à droite, comme ça, quand bien même il y en aurait un qui échapperait, bah, il affecterait pas les autres. Et puis directement, on le bloque avec une petite manipulation de l'ombre, et puis Hinata termine le boulot avec un petit Byakugan pour bien cibler les points, et puis un petit coup de Juken, tac, tac, à gauche à droite, pour pouvoir les bloquer, les immobiliser pendant une journée, quand même, faut le préciser. Et là, bah, on retrouve le même point qu'avec Choji, avec une Hinata qui est directement essoufflée juste après, voilà, à peine trois petits coups de Juken. Voilà, même Neji à l'époque, avec trois, il pouvait enchaîner les 64 coups du Haki, des trucs comme ça, et même pour Hinata d'ailleurs, aussi pendant temps, elle avait cette capacité-là, et là directement quatre coups, alors qu'elle a même, en plus c'était contre des adversaires immobilisés, c'est ça qui est assez ouf, et directement à court de chakra, parce que c'est le Byakugan qui a trop pompé de chakra, je sais pas, ça aussi c'était assez bizarre. Du coup bon, après peut-être pour nous montrer un petit rapprochement avec Naruto, ah, je tombe dans les pommes de mon héros et tout, enfin ouais, je sais pas, c'était assez bizarre, c'était assez malaisant comme situation. Enfin dites-moi vraiment ce qu'on pensait directement dans les commentaires. Du coup, bah, par la suite, on a Docteur Sakura qui décide de s'en occuper, donc voilà, avec un petit sondage justement, comme je vous le disais, des cordes, donc, voilà, pour un petit peu ce qui se passait. Du coup, ça le pouvait le rompre justement avec la technique classique de simplement insuffler du chakra pour pouvoir justement rompre le genjutsu, voilà, comme ça se fait justement classiquement et ça se fait d'habitude. Et du coup, bah, voilà, elle voit que ça marche pas, donc directement elle est un petit peu dégoûtée. Et Kakashi justement qui est présent pour superviser un petit peu toutes les opérations, lui dit voilà, t'inquiète pas, on va aller demander un spécialiste justement du genjutsu et puis aussi du dojutsu. Donc voilà, on va le rappeler, même si au début Naruto il se dit mais quoi, il est en train de parler de quoi et tout. Et d'ailleurs, bah, à ce moment-là, d'ailleurs, on commence un petit peu à tilter, bah, Sakura, elle dit, ah, tais-toi, commence pas à me saouler, avec un gros coup de poing classique. Donc, on voit que les bonnes vieilles habitudes n'ont pas changé, puis on la peau dure. Et directement, bah, Kakashi demande à Sai d'aller informer Sasuke de ce qui s'est passé, puis du coup, de rappliquer rapido Sakonoha pour essayer, ouais, de trouver le moyen de résoudre ce problème. Donc, il lui envoie un bon petit. Mon petit dessin voyageur. D'ailleurs, c'était très très classe comment Sasuke l'a réceptionné. Donc voilà, tac, un petit rouleau qui se déploie, et puis hop, l'oiseau qui rentre à l'intérieur. Voilà, l'oiseau est parti justement d'un rouleau après une petite peinture, tac, il rentre directement dedans. Voilà, c'est un petit détail, mais c'était sympatoche. Et du coup, bah, Sasuke qui prend conscience de ce qui se passe. Donc ouais, sûrement, il allait rentrer, je pense, directement à Konoha. D'ailleurs, Sakura était toute contente. Ah, Sasuke, il va rentrer et tout, youpi. Et malheureusement, bah, ça va pas se passer, vu que hop, une autre explosion va se redéclencher. Mais qui peut-il bien être? S'agisse aussi de Deidara? Et non, malheureusement, c'est pas le cas, vu que c'est à peu près la même situation. Même Sasuke, voilà, il ironise la situation, il dit quoi, mais attends, c'est pas possible, ça peut pas être la même chose qui est en train de se passer actuellement à Konoha, enfin voilà, faut arrêter de se foutre de ma gueule 5 minutes. Et du coup, bah, voilà, Sasuke qui aura pas besoin de rentrer à Konoha, en tout cas pas ce coup-ci, je suppose, bien entendu. Après, voilà, il a juste sûrement, il a peut-être trouvé le moyen au fur et à mesure qu'il progressera, et puis il trouvera sûrement la solution, et puis après, tac, il écrira par rouleau, puis il l'enverra, et puis du coup, Sakura sera dégoûté, ah non, Sasuke, il pourra pas rentrer ce coup-ci, il fait chier, je suis dégoûté. Mais voilà, je vois bien la scène se passer comme ça, parce que sinon, il serait rentré à Konoha directement pour résoudre le problème, alors que là, il le résout sur place, ça sert à rien qu'il rentre directement. Il faut réfléchir 5 minutes, sauf si son Sharingan est vraiment nécessaire. Mais je pense qu'il va trouver une autre solution, il y a moyen. Surtout qu'on a vu que son Sharingan n'était pas la solution adéquate, vu qu'à la fin, c'est quand même fait un petit peu.
Ça va quand même un petit peu piéger. Enfin voilà, c'est le comble quand même pour celui qui est censé posséder le Dojutsu le plus puissant. Enfin, les deux plus puissants en l'occurrence, avec le Mangekyō Sharingan éternel d'un côté, plus le Rinnegan de l'autre. Enfin, c'est assez abusé quand même, faut le souligner. Mais bon, on va quand même laisser passer l'éponge pour ce coup-là, vu qu'il était pas au courant, que surtout, bah, il s'est fait surprendre. En plus, il n'était pas dans sa conscience, il était dans l'esprit de quelqu'un, donc ouais, c'était pas si grave que ça. Mais avant d'arriver à ce point-là, donc ouais, il arrive au village, donc tu vois que c'est un petit peu le gros bordel, qu'il y a aussi des villageois contaminés qui essaient d'en contaminer d'autres, justement, ouais, qui se font un petit peu avoir. Il voit justement aussi qu'il y a des shinobi qui sont en train un petit peu de se battre pour essayer de protéger un petit peu les villageois. Je reviendrai un petit peu sur eux après. Donc voilà, ouais, Shino, la petite fille, et puis Nowaki, donc ouais, en l'occurrence le mec, donc ouais, les shinobi, enfin anciens shinobi qui sont maintenant membres d'un cirque visiblement. Et du coup, bah voilà, après, bah, malheureusement, il y a une petite maldonne avec l'ancien du village visiblement, donc ouais, le vieux, donc Lou, je crois qu'il s'appelle quelque chose comme ça, le grand-père Lou, je crois qu'elle l'appelle comme ça, la petite Shino, et qui du coup leur dit, enfin voilà, qu'est-ce qu'il fout là, celui-ci, c'est sûrement voilà Fuchin qui l'envoie histoire un petit peu de régler le problème. Donc on comprendra un petit peu mieux après pourquoi. Et du coup, bah, finalement, elles doivent, enfin les deux doivent le combattre, et puis c'est ce qui va essayer de régler la situation sans trop de difficultés. Enfin voilà, il force pas trop contre le petit sweetheart de la Chino, donc ouais, contre ses petites bulles de savon où c'est enfin même c'est plus de la grêle, voilà, puis même sa barrière d'eau, même si c'était intéressant pour pouvoir bloquer les zombies, même si ça n'a pas servi à grand chose. Puis pareil pour le deuxième, donc ouais, qui s'est fait un petit peu nexter rapidement. Et directement, donc on apprend que Shino, la petite fille, elle a déjà connaissance des Uchiwa, elle a aussi connaissance donc du Sharingan. Donc ouais, c'est vrai qu'au début je me suis dit, tiens, peut-être qu'elle connaît pas, peut-être que voilà, ça va faire un petit peu la confusion avec l'œil de Fushin, justement, qu'elle va peut-être le confondre, alors que non, directement elle a reconnu le Sharingan. Et je vous expliquerai un petit peu mieux après, vu qu'il y a certains points, certains petits indices, notamment par rapport au flashback entre le clan, comment il s'appelle déjà, le gang, pardon, Raiko, donc voilà, qui a aidé un petit peu les villageois, et puis justement la petite fillette. Voilà, des petites ressemblances qui ont été assez intéressantes à soulever. Du coup, quoi qu'il en soit, donc voilà, Sasuke qui termine, donc il les bloque avec un petit coup de Sharingan, donc tout le monde est content. Et du coup, bah après, voilà, le grand-père qui est tout content, qui va aller retrouver sa femme, voilà, vu que quand même la petite Chino, elle a eu la bonne idée de mettre toutes les femmes et les enfants à l'abri. Sauf que, manque de peau, bah la fille du grand-père s'est fait avoir par ce même Genjutsu là, et du coup, bah il n'aura pas le temps de la sauver, malheureusement. D'ailleurs, Sasuke, c'est con, il aurait pu essayer de la bloquer, d'extraire ça avec son Sharingan, malheureusement, ça n'a pas pu se faire, et du coup, bah. Elle s'est malheureusement suicidée. Et du coup, bah, pour le grand-père, je pense qu'il a eu le même destin, vu qu'après, c'est voilà, l'Amazon, la baraque était directement en feu, que le grand-père, il est rentré directement en feu, il est rentré directement en feu, n'importe quoi, dans la baraque qui était en feu, et on n'a pas vu ressortir. Donc on peut déduire aussi assez logiquement, malheureusement, qu'il a trépassé. Du coup, bah, c'est pas de lui non plus que Sasuke pourra tirer des informations, ni de Shino, et puis de son collègue Nowaki, qui eux, voilà, ne sont pas très loquaces, ils ne veulent pas parler. Puis finalement, bah, il arrivera à obtenir des infos d'un villageois lambda, voilà, du village qui n'a pas été touché par le Genjutsu. Ça, c'est un point important à préciser. Du coup, qui va lui apprendre un petit peu ce qui s'est passé, voilà, par le passé, que le gang, donc voilà, était un petit peu comme des Robins des Bois, même s'ils volaient pas aux riches en l'occurrence, mais qui volaient aux bandits, donc voilà, des bandits entre guillemets, enfin, un gang qui vole à des bandits pour aller donner aux pauvres, donc voilà, qui aidait un petit peu les villageois dans le besoin, donc dont le grand-père justement, qui est le chef de village visiblement. Et sauf que, manque de peau, ben, un jour ils se sont fait attaquer par le village de Kiri, donc voilà, le village de la pluie, là où justement la Mizukage est originaire, même pas pareil justement pour ceux qu'on avait vu à l'époque, hein, voilà, Chojuro et tout ça. Et que du coup, bah, bon, enfin, puis aussi Kiri, voilà, qui est très très chargé par rapport au passé, par rapport à ce qu'ils ont fait, donc à l'époque du quatrième Mizukage, tout ça, voilà, c'est pas important aussi à rappeler. Et que du coup, bah, ils se sont fait avoir, et voilà, ils ont été pas mal diminués, que du coup, bah, ils sont venus se replier in extremis, justement, dans le village, et que bah, justement, le grand-père n'a pas été très gentil à ce moment-là, et n'a pas décidé donc, voilà, de leur ouvrir leur porte. Alors que voilà, ils étaient un petit peu de bonne foi, ils ne voulaient pas leur attirer des ennuis, voilà, c'était juste le temps de passer l'inverse, entre guillemets, parce que à ce moment-là aussi, ça pleuvait dans l'épisode, hein, tu vois, un petit peu le jeu de mots pourri. Et que du coup, voilà, ils voulaient repartir aussitôt fait, puis le grand-père, bah non, ouais, il a pas voulu, il voulait pas prendre de risque, voilà, directement, pas que ça lui retombe sur la gueule. Donc non, ouais, moi je vous connais pas, et puis je peux pas prendre ce risque là. Et du coup, bah, on a vu qu'il en avait gros sur la patate, donc ouais, avec une petite larme de sang qui a commencé à couler de sa bouche. Donc ouais, en l'occurrence Fuchi, je pense que c'est de lui dont il s'agit. Et depuis jeu là, bah, il nourrit une haine féroce, et ça peut expliquer un petit peu aussi pourquoi il a commencé à se déchaîner, que surtout, bah, ouais, il a voulu faire du mal au grand-père, enfin au village déjà, et puis encore plus au grand-père qui a pas voulu lui ouvrir la porte, même si bah, pour tous les autres villageois, je pense aussi que c'est la même chose. Et du coup, bah, après, ça nous permet de revenir dans le présent, alors justement, voilà, de voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Et du coup, bah, c'est Sasuke qui décide de, voilà, de vouloir en apprendre un petit peu plus, ou de remettre un petit peu les choses dans leur contexte après ce qu'il vient d'apprendre, en sondant directement voilà, la mémoire d'un villageois pour revivre directement les événements. Donc ça aussi, c'est une nouvelle utilisation de Sharingan qui est assez intéressante, donc, voilà, qui nous permet de voir qu'il est capable de sonder vraiment l'adversaire qui est en face de lui, bah, un peu à l'instar de ce que les Yamanaka, pardon, sont capables de faire, qu'on a pu voir dans Naruto à la base. Et c'est bien aussi de voir qu'on peut le faire aussi avec le Sharingan. On pouvait un petit peu le déduire, on savait, voilà, que tu pouvais un petit peu rentrer dans son esprit pour lui semer des illusions et tout, mais de pouvoir lire à travers son esprit, ça franchement c'est franchement quelque chose d'important, puis d'intéressant, et enfin qui est mis en avant aussi par rapport au Sharingan. Donc ouais, vraiment une très bonne surprise, et quelque chose en fait qui est totalement logique, quoi. Pour ceux qui se posent la question, ouais, c'est normal, pourquoi on l'a jamais vu avant et tout,
final, c'est plus de la logique qu'autre chose. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là que Sasuke se fait un petit peu happer par un genjutsu plus puissant que le sien, ou plutôt qui était déjà présent avant le sien. Et du coup, voilà, il manque de peu de se faire happer complètement, voilà, son esprit. Et du coup, il arrive à ressortir un petit peu in extremis. Ah oui, juste un petit point tout à l'heure par rapport à la fille, c'est vrai que je disais que elle avait foutu le feu, en fait pas du tout, c'est qu'elle s'est fait exploser, j'avais oublié ce petit détail-là qui du coup, voilà, ça a foutu le feu à la baraque, et puis le grand-père voilà, qui avait enchaîné juste derrière, voilà, c'était quand même assez salaud, mais il fallait quand même le rappeler. Et du coup, voilà, Sasuke sur cette fin d'épisode, du coup, qui détecte voilà, qu'il a eu affaire à un Keikei Genka, donc voilà, par rapport à l'œil qu'il a possédé, voilà, il a quand même capté directement que c'était pas un Sharingan, en même temps, c'est vrai que c'était, ça avait été un Sharingan, je pense qu'il aurait, ça aurait été assez familier pour lui, il aurait pu le reconnaître, si ça avait été un Mangekyou Sharingan qu'il connaissait pas, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Plusieurs pouvoirs qui varient encore une fois selon celui qui l'éveille, même si là on n'est pas du tout dans ce cas de figure là, mais quand même voilà, fallait le souligner. Du coup, ça va permettre d'aborder le point que je voulais avec lequel je voulais clôturer justement cette review par rapport justement à la petite fille Shino qu'on peut justement apercevoir. Donc voilà, à la fin, un peu sur la fin de l'épisode en fait, puis directement on commence avec son Suiten, et bah il y a de fortes chances qu'elle fasse partie justement du gang de Raiko, parce que déjà directement bah, elle veut pas un petit peu balancer son pote, donc voilà, Fushin et Raiko, je crois justement que c'est les deux qu'on voit un petit peu au début de l'épisode. Enfin, il y a justement Fushin, je pense, qui est celui qui possède le Dojutsu, et puis son pote, donc voilà, Raiko, qui doit être le chef du gang. Et du coup, bah, la petite Shino, on peut la voir, je pense, à un moment donné, durant le premier flashback, quand ils apportent les pièces d'or, donc enfin, les Ryo, voilà, qui est la monnaie justement courante dans Naruto, où on la voit justement un petit peu en train de se tenir la tête et tout, comme ça, une petite fille. En plus, on voit qu'elle a les cheveux blonds, qu'elle a les yeux violets, comme la petite fille, enfin, comme Shino, justement, comme on peut le voir après. Et pour Nowaki, donc en l'occurrence, celui qui l'accompagne, bah, il ressemble beaucoup à celui justement qui était en train de toquer à la porte un petit peu après, donc qui avait aussi une cicatrice là-dessous, et qui en plus avait les cheveux de la même couleur, les yeux de la même couleur, même s'il a plus du tout le même gabarit maintenant. Alors après, peut-être que c'est son frangin, je pense que ça serait assez logique que ce soit le cas d'ailleurs, bah, sûrement de Raiko, donc qui doit être le leader de ce groupe là. Et du coup, bah, ça serait assez intéressant de voir ça dans les prochains épisodes, et ça expliquerait pas mal de choses par rapport au fait qu'ils aient pas voulu directement voilà, s'entretenir avec Sasuke, puis leur balancer un petit peu tout ce qui savait. Bon, d'accord, c'était pour originaire du village, mais aussi pour pas cramer leur couverture, tout ça. Ouais, on bosse pour un cirque officiellement, mais voilà, officieusement, tu fais partie d'un gang, donc il faut officialiser tout ça. Et de toute façon, ça fait vraiment pas l'ombre d'un doute pour moi. Je précise que j'ai pas maté la preview pour en arriver à ces déductions, enfin, si tant est que la preview spoil ce point-ci, bien sûr. Bon, je l'ai pas maté, mais bon, on verra bien, peut-être que je la materai pas, pour me garder un petit peu la surprise, mais voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, même au niveau de l'animation, tout ça, c'était vraiment beaucoup de bonnes choses. Voilà, un côté un peu plus mature, vraiment, bah, ça fait plaisir, comme quoi on voit qu'on progresse aussi au niveau de la maturité au fur et à mesure qu'on avance. Donc là aussi, on voit qu'on est plus entre guillemets à la période ado avec Naruto. De ça, vraiment, ça, le côté un peu plus mature s'illustre tant au niveau des personnages qu'on vieillit et qu'on grandit, et tant justement au niveau de l'œuvre et de la volonté qu'a le studio Pierrot, justement, de nous montrer un petit peu, voilà, une face un petit peu plus sombre, un petit peu plus dark que du manga. Et ça, au final, c'est pas plus, même si c'est plus vraiment le manga maintenant, que c'est juste les light novels, mais ils auraient pu le faire en mode un peu plus coloré, un peu plus bisounours, mais pourquoi pas. Voilà, vraiment, c'est des choix vraiment pris par le studio, et ça, enfin, plus que c'est libre d'adaptation, entre guillemets, voilà, ils sont pas obligés de se fixer vraiment par rapport au cahier des charges comparé au manga. Donc, voilà, au manga, ils doivent vraiment faire à la caisse près. Là, en l'occurrence, ils ont juste le script, et après, bah, c'est eux qui agencent un petit peu comme ils veulent, et là, au final, bah, ils l'ont fait de fort belle manière. En tout cas, voilà, un choix payant, et vraiment j'espère qu'ils continueront sur cette petite lancée, et que vraiment la qualité sera vraiment du même niveau que celle qu'on avait pu voir jusqu'à présent, enfin, en tout cas par rapport à cet épisode là qui était vraiment très très bien animé, surtout au niveau de Naruto et puis des personnages principaux. C'était un peu moins bien pour les zombies, mais je pense que c'était voulu dans un côté de faire un petit peu plus glauque, un petit peu plus dark, mais bon, c'est une volonté aussi qu'il faut aussi respecter. Voilà, en tout cas j'espère que cette review vous aura plu, que cet épisode vous aura plu, que ce nouvel arc entre guillemets peut aussi vous plaira. Je sais pas du tout combien de temps il va durer, ça aussi ça va être intéressant à voir. Et si vous voulez des réactions live pour certains épisodes, pour certains justement romans qui seront adaptés, bah dites-moi directement dans les commentaires si ça vous plairait. Voilà, vraiment, j'étais un petit peu chaud au début d'en faire une, mais bon, vu que j'enchaîne pas mal de réactions en ce moment, c'est vrai que ça va faire un petit peu beaucoup, mais peut-être, pourquoi pas, dans les épisodes à venir, ça pourrait être aussi intéressant, peut-être quand il y aura une confrontation à Sasuke contre Fushin, voilà, Dojutsu contre Dojutsu, ça pourrait être pas mal. Voilà, en tout cas, dites-moi votre avis par rapport à ça dans les commentaires. Sur ce, j'embrasse bien fort ce bout de la truffe, et je vous dis à la semaine prochaine, et si là, prenez soin de vous, salut à tous. Ça en a là.